Comment est-ce que je me suis retrouvé face à face avec un gorille sauvage des montagnes de 250 kg dans la jungle en Ouganda? Avec mes potes, on a décidé de planifier une expédition en Ouganda à la frontière du Congo. Notre objectif, trouver, observer, photographier et filmer les derniers gorilles des montagnes, une espèce en voie de disparition. On passe notre nuit sur une île au cœur d'un lac volcanique en face de la jungle. C'est sûrement un des plus beaux endroits que j'ai vu de ma vie. Lendemain, départ à 6h du matin en pirogue, direction leur territoire. On s'enfonce alors dans la jungle à 2400 mètres d'altitude, accompagné des gardes armés de la réserve. Ils sont là pour protéger les gorilles du braconnage. La progression est lente et difficile. On marche durant près de 4 heures jusqu'à ce que l'on tombe sur le chef de meute, le dos argenté. Au bout de quelques minutes, il nous accepte. Il nous guide alors jusqu'à sa famille, un groupe de 9 individus composés de femelles, de jeunes mâles et d'un bébé. On passera près d'une heure à les observer à leur côté. On se sent quasiment intégré au groupe.